Salut à tous, c'est Emily, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 21 de notre Let's Play sur Alice Madness Return. Donc j'espère que vous allez bien. La dernière fois on avait très très bien avancé, on en a encore eu le bourreau qui nous poursuivait. J'ai vu encore des pertes de... Enfin c'est pas des pertes de FPS au final, hein. C'est vraiment mon encodage qui en surchauffe. Je ne peux pas vous dire pourquoi, j'ai encore fait des réglages pour cet épisode. Donc je vous assure qu'un de ces quatre, pour le dernier épisode, on trouvera le truc parfait. Mais en plus, le pire, c'est que j'ai vraiment beaucoup de soucis sur Alice. Je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Bref, on avance, du coup, comme la dernière fois. Ok. Donc, ah bah. Faut vraiment bien regarder en arrière. Hein. Vous voyez, même quand on rentre dans les serrures, maintenant, à l'intérieur, c'est... vraiment, on a l'impression de rentrer dans un organe. Même ça, hein. Regardez-moi ça, ça bouge, ça vit. Ah, et regardez au-dessus de la porte. Ça bat comme un cœur. Creepy! C'est pas le château de la reine pour rien, on est d'accord. Ah! Vous m'attendiez peut-être! Le train, très bien. Donc là, on se rapproche, mine de rien. On l'a jamais vu vraiment passer devant nos yeux. Oh, la belle Saradula. Alors, je reviens deux secondes. Je fais une petite pause. Heureux. En fait, je regarde juste si mes réglages ont fonctionné. Et apparemment, celui-ci a fonctionné. Apparemment, vous n'avez plus de... C'est fluide. Et en plus, la qualité est plutôt là. Donc, je suis très contente. Alors, désolé du coup pour les derniers épisodes. Ont eu quelques pertes de fluidité, même si c'était pas trop choquant, il y avait quand même ça. Ni de temps du tout. Du coup, désolé, voilà, maintenant c'est fait, on est tranquille. Alors, qui peut survivre à la fuite du temps? On est d'accord qu'on a juste à suivre. Juste à survivre. Alors, en plus, eux, je les aime pas, alors certains n'ont pas les tuer. Peut-être on a accéléré du coup ce que. C'est bon, parfait. Bon, du coup, je vous aurais fait comme je vous ai dit, un petit accéléré. Parce que ça, on l'a déjà vu, surtout me voir fuir et tourner en rond. Merci quoi. C'est parti. On retourne avec la reine. Le bourreau a fait tomber bien des têtes, essaye de garder la tienne. Pas mal. C'est lent même. Oh! Quel est cet endroit? Est-ce qu'on connaît? D'ailleurs, on voit des cartes. Je sais pas. Oui, d'ailleurs, le dernier épisode, je vous ai dit, mince, qu'est-ce que je fais? Oh, j'ai cru qu'il y avait. Je vous ai dit, peut-être qu'on pourrait terminer dans cet épisode, l'endroit avec la reine, ou au moins aller la voir. Pas du tout, en fait. Hein. Je me rappelais qu'il y avait vraiment une phase avant. Pas du tout. On va beaucoup s'en rapprocher, je pense, dans cet épisode-ci, mais... Ce sera pas encore. Hein. C'était dans ici? Bon, je suis un peu déçue, d'accord. Alors, encore une énorme salle. Il y a pas mal de choses. J'ai vu un petit groin caché en dessous. Très bien. On va essayer de dépatouiller avec cette salle-là. Hop! Trop pratique ça. Ok, c'est bon, je l'ai vu. Parfait. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelque chose là-bas. Ok, donc il y a une plateforme. Donc autant. On va déjà prendre le groin. Je crois que ça fait spawn un petit panier. Ah non. Si? Oui, si. On est d'accord. Bon, je le prends quand même, hein. Je sais que j'ai 7000 dents. Mais bon. Fait comme si, on en avait pas beaucoup. Alors, on va aller là-bas.
Il y a une serrure, donc qui dit serrure dit peut-être souvenir. Alors, dit dedans déjà. Ah, dit bouteille. Ok. Oui, les bouteilles. Ah, je suis coincée. Ok, toi, ça. Parfois, Alice se coince dans des choses un petit peu bizarres. Je ne sais pas comment je suis tombée sur cette plateforme, mais j'ai eu énormément de chance. Alors, je viens de là-bas, on est d'accord. On doit aller où exactement? Là-haut. J'imagine que du coup, il faudrait faire ça, je crois. Je sais plus exactement, mais je crois que c'est ça. On fait spawner ça. Du coup, on fait ça. Hop. Et voilà. Parfait. Alors, est-ce que si je le faisais dans l'autre sens, j'avais quelque chose? Que se passe-t-il? D'accord, j'ai eu un retour une dose. Très bien. Magnifique. Il y a quelque chose là-bas. Ah bah oui, il faut ouvrir la grille. Ok, bon, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens, c'est mieux. Parce que là, on avait monté à la porte, mais on n'a pas ouvert la porte. Donc c'est un petit peu dommage. Ah. Ok, c'est bon. Bon, ça va, le principe est pas trop compliqué, hein. Le jeu n'est pas complexe, hein. N'empêche. Faut juste bien comprendre le gameplay. Et ça va beaucoup mieux tout de suite. Oh, puis il faut surtout pas essayer d'aller trop vite comme je le fais, n'est-ce pas? Parfait. Ok. Où est-ce qu'on atterrit? Quel est cet endroit? Ouh, le bourreau, son retour. Quand est-ce que tu vas me laisser tranquille, toi? Alors, oh, le chat, vois-tu? Peu savent trouver la voie. Ceux qui savent ne le voient pas. Les autres ne veulent pas. J'adore les phrases du chat. Elles sont très perchées, mais elles sont aussi. Oula, ça va être plus compliqué, donc je ferai peut-être une ellipse lutte, mais on va y... Ah, oh, je fais la même connerie. Ah, là, lui, il peut pas, de toute façon. Il peut pas non plus. Ah mais là je l'ai décalé. Merde. Yes. J'ai réussi. Ok ça va, il n'y en a plus qu'un maintenant donc ça passe. Cette fois-ci on ne se laisse pas dans cette salle. On avance, on continue. Oula. Où est-ce qu'on arrive? Oh, un souvenir de la famille Lidl. Très bien. Oh, mais bien plus que ça, bien plus que ça. Nous avons une porte. Une des dernières d'ailleurs, hein, puisque on est dans les derniers trucs. Alors, je me demande si c'était... Ouais, non, ça doit être ça. Bon, alors du coup, c'est parti. Fermait jamais. Sa chambre était plus loin de l'incendie. Il ne l'a pas asphyxiée. Elle ne fermait jamais. Et de plus, elle aurait pu sortir autrement, par la fenêtre. Quelqu'un a immobilisé ou tué Lizzie, l'a enfermée, puis a déclenché le feu au rez-de-chaussée pour couvrir son crime. Ils voulaient tous nous tuer. Bon, alors là, on a eu un énorme souvenir, puisque là, Alice se rappelle, et c'est, ce n'est pas un accident, c'est pas elle,
C'est pas sa sœur, on sait que c'est quelqu'un. Encore une fois, je vous ai rappelé la dernière fois, à Lydie, sa sœur, vous avez parlé de quelqu'un qui lui avait fait des avances, elle l'avait repoussé, et du coup, il l'avait mal pris. Cette personne, là, c'est peut-être elle qui, du coup, est venue, a voulu se venger de Lydie, et du coup, l'a tuée, a voulu couvrir son crime, comme le dit Alice, et du coup, a déclenché le feu, sauf que il ne savait pas que Alice survivrait. Et du coup, Alice a tout vu, sauf que, bah, comme on le sait, quand on voit quelque chose de dramatique, quand on est enfant, on essaie de se cacher. Et c'est pour ça que tout le long du jeu, tout le monde nous dit, si tu veux te sauver toi, il faut te souvenir. Et il faut sauver, enfin, si tu veux sauver le Pays des Merveilles, tu dois te sauver toi, et du coup, tu dois te rappeler. Bon, alors du coup, on a vu une silhouette, on a vu des lunettes, on a vu, voilà. Je ne dirai rien. Faites vos opinions, faites-vous un avis. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez savoir qui est l'affreux méchant. Mais on va bientôt le savoir. Là, on a eu vraiment une avancée, en tout cas. Alors, j'entends un groin. Ouh, je t'ai vu. Je l'ai dit, avance. On avance dans l'histoire, on se rend compte des choses, et c'est pour ça que c'est horrible aussi pour Alice. Et on verra. Mais là, on a beaucoup de choses sur sa sœur, et du coup. Et le chat, qu'est-ce qu'il me dit? Affronte tes peurs et ce qui t'offense. Il faut toujours répondre aux insultes et aux provocations. D'accord, le chat. Affronter nos peurs, affronter nos souvenirs surtout. C'est bien le but du jeu. Chercher cette petite bouteille. Alors là, j'ai avancé mon mode YOLO total. Ok. Elle évite un mort, c'est super. Vas-y, envoie ta boule. Oh là, tu m'as tapé. Ça a marché, super. Ah, oh, j'ai plus de balles. Meurs, 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 meurs. Hein, tous les tuer pour pouvoir m'occuper du gros envers moi. Ok, parfait. Bon, très bien, c'est pas grave. Vas-y, envoie ta bouboule. Oh, j'adore la théière en version chat, c'est trop classe. Oh, on chénère. Voilà. Ok. Un souvenir de Bambi. Nous rêvons tous de nourriture et de gâteaux, plus précisément. Tu reprends toujours du dessert, n'est-ce pas? Et du thé s'il y a du gâteau. J'adore. Donc là, ça fait référence. Je sais pas pourquoi je vais aller là d'ailleurs. Ça fait référence aux Alice de base, hein. Alice au Pays des Merveilles, le thé, les gâteaux. Qu'est-ce que ça fait les gâteaux? Ça fait grandir, n'est-ce pas? Alors. Ah oui, c'est vrai, c'est juste pour des dents, ça, on s'en fiche. Avançons. Avançons, avançons. Et on arrive au labyrinthe. Au labyrinthe de la reine de cœur. Ah, et on entend le bourreau. Alors, on va essayer de faire ça, il n'y a pas de... Ok, donc là-bas, c'est une bouteille, on va aller la chercher. Alors, non, caméra, tu ne me fais pas ça, merci. On l'entend au-dessus de nous là. Et une bouteille. Du coup, je regarde plus si on a tout ou pas, même vu que c'est un petit peu buggé. Enfin, buggé.
On va se garde. Et puis trop attention. On va passer par ici. Bonjour. Ah, coucou. Voilà. T'es mort? Oui. Oui, je t'ai vu, toi. Tu ne me feras pas peur. Du coup, on va aller là. On fait tout le tour, hein, comme ça on est sûr de rien rater. On entend des corbeaux. J'adore les corbeaux, je trouve ça trop stylé. Je suis toujours la reine. Ah, ah. Montre ta tête. Montre ta tête. Dévise-la. Arrête de la viser. Ah, parfait. Ok, c'est bon. Pour l'instant, on s'en sort. On arrive à aller à se rendre compte. C'est un trou. Ok, c'est un trou. On se perd pas trop dans ce petit labyrinthe. Il est pas très jolo, hein, le labyrinthe. C'est pas très bien entretenu. Oh, mais tu vas arrêter de faire ça, oui. Ah ah. Wow. Qui c'est qui va faire le malin maintenant? C'est plus toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'adore ce mouvement. Et hop! Yes! On s'est vengé et on est gigantesque. Alors j'adore cette phase. J'adore cette phase. Donc même si on dépasse un petit peu en minutes l'épisode, je m'en fiche, on va faire cette phase. Et on se retrouve avec notre robe classique, du coup. Et là, on voit l'œil. Donc oui, enfin l'œil de Sauron. Non, l'œil en forme de cœur. Donc ça, c'est le château d'Arène. Donc du coup, on va s'y rendre, version grande du coup. Et ça, c'est énorme. C'est juste énorme, ce gameplay. Regardez-moi ça! Je suis grande. Alors, la lisse géante peut attaquer par des écrasements ou balayages. Attaque les tours de l'Arène pour révéler son cœur. Détruit les portes du château qui bloquent la voie. Très bien. Vous voyez, je peux attaquer comme ça, et voilà, comme ça, je peux donner des coups de pied. Parce que bien sûr, on va se faire attaquer en face. Donc là, hop, on passe par ici. Ah, c'est où tu vas, hein? On se fait attaquer à fond, à fond. C'est beau. Attendez, faut que j'écrase ça, sinon ils vont spawn. M'attaquez pas pendant que je suis... La triche. Tricher. J'adore, j'adore. Ah, il me semble que du coup, dans cette phase-là, il n'y a pas de souvenirs, il n'y a pas de trucs à trouver. Oh, on s'en fout. Je dois aller où là? Ah, là. J'adore. J'adore dans ce jeu parce qu'il y a vraiment différentes phases de gameplay. Ça me rappelle un peu le... Enfin, pour faire repenser le bâtiment qu'on avait. Des énigmes, puzzles, check, maintenant, c'est gigantesque. Ah, vous voyez, c'est la tour qui me tire dessus. Il faut qu'on aille la défoncer. Alors, je peux prendre d'avis, hein. Faire attention. Laissez-moi tranquille. Je peux pas. Non. Je peux pas. On passe par là. Ok, faut que je tire ça, je crois. Du coup, on va défoncer cette tour. Mince.
Ok. C'est un peu violent quand même. Hein. Voilà, du coup on peut passer par là maintenant. Du coup on fait mal à la reine, hein, mine de rien. Je trouvais pas Alice encore plus badass que d'habitude. Je sais qu'on est à 20 minutes du coup, mais comme je vous l'ai dit, bon. C'est bon. J'adore cette phase, donc autant la terminer, je vais pas m'arrêter en plein milieu, sinon c'est un petit peu stupide. De toute façon, elle est pas très longue. Il me reste 2 tours, je crois. Tap. Cassez-vous. On va détruire ça. Hop. Arrêtez. Là. Ouf. C'était pas sympa ça. Je pique. Et de deux. On y est presque, hein. On a raté. Alors, je prends cette rose là. Voilà. Prendre un peu de vie quand même. Et dessus. Mine de rien, ils sont beaucoup les petits là. Chaque fois, je m'avance pas. Et on a réussi. Pitié, va-t'en. Non, on a de parler. On veut des réponses. On ne s'arrêtera pas comme ça. Non, non, non. Je m'en fiche que je sois pas invitée. Drink me. Et voilà. Et donc on reprend notre taille normale. Très bien. Une phrase du chat ? L'endroit est l'envers d'une même carte ou de face d'un dé. Très bien. Bon, et du coup on se retrouve avec la fameuse musique du château de la reine. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, j'adore cette phase, on est vraiment badass, on est vraiment en mode j'écrase tout. Donc on aura bien avancé, là je vous dis, là en fait on rentre vraiment, on était dans le domaine de la reine, sauf que là on rentre comme si on rentrait dans ses quartiers quoi. On y est vraiment presque, donc la prochaine fois on terminera le chapitre 4, ça c'est sûr et certain. Donc du coup pour le chat il va encore parler, qu'est-ce qu'il y a ? Mais toujours un dé, dé comme déterré, comme découverte, comme devant la... Ah voilà, bon voilà. Vous voyez, le chat le dit, on est devant l'arène. Très bien. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très très bientôt. Je pense que je vais enchaîner parce que j'adore ce jeu. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut !